Juste en face. T'avais la Jeep en panne? Non. Des rails prévus pour les wagonnets, pour la mettre du tension du matériel, vous êtes toujours hein, sur les poches là. Les billes, donc vous voyez, ça commande pour les wagonnets, et là vous avez la salle, la garde d'arrivée de l'écurie. En même temps, moi. Vous voyez le matériel utilisé à l'époque, là, c'est des prises dessus. Voilà. Ah ouais. En haut, vous avez un étage avec deux. Tout bien, maintenant. Je vous pose une question. Je réponds pas. Donc, protection. Faire tomber au fort uniquement le gazant. Donc il y avait un minimum de protection. Sauf que la douille contient du gaz, évidemment, et justement, on voulait éviter les gaz. Donc toutes les douilles tombent ici, elles vont derrière l'ensemble. Il y avait des plaques entières de béton qui se détachaient. Ah, vous avez fait ça, vibration, tout ça, donc pour la chemise. Où étaient éjectées les douilles hein, qui tombaient en contrebas. Ben, voilà. Là, on arrive à l'extrémité du toit. Donc, direction nord. Forme qui est sur ta tête, là. Genre de piston qui montait les munitions. Comme sur un... Voilà. Ça va, hein? Un bon chanteur ici, ça résonne, c'est bon, il est trop acoustique là. Cabrel? Il a un micro là. Tu mets Cabrel, il fait ça.